Et vous dire, j'ai envie de pousser la chansonnette pour ma mignonne, mignonne, toute petite copine Rebecca qui va fêter ses 22 ans demain. Clin d'œil, clin d'œil. Je vais t'offrir un truc génial que t'as jamais eu avant. Ouais. Close your eyes. Oh merde. Je vais bien. Ouais. Une journée de rêve dans la vallée viticole. Ça remonte à quand la dernière fois qu'on a été réunis? Je tiens vraiment à avoir l'impression que c'est un week-end normal. Je veux un endroit qui me donne envie d'entrer gaiement dans ma cinquantaine. L'âge n'est qu'un simple chiffre. Toi, tu dirais que tu as quel âge? 18 ans. Passé pour boire et baiser. J'ai pas encore ma propre voiture, mais j'ai un vélo. Je vous ai préparé un programme, une sorte de vue d'ensemble de toutes les choses qu'on va faire minute par minute. Alors ici, nous avons du pop-corn à la lavande. Il n'y en a pas assez dans l'assiette. La traite continue. C'est quoi ça? Molly. Oh. Je me suis fait une Molly à l'université, mais elle est retournée avec son copain. Hey, hey. Vous vous faites un week-end entre filles, c'est ça? Mais quels que soient les propos que vous entendrez, c'est probablement ce que l'autre personne a toujours ressenti. Et c'est l'alcool qui le fait parler. Ce week-end est un fiasco. Quelque chose m'a mordu. Qu'est-ce que t'as? J'arrive même pas à planifier un anniversaire sympa. Si tu pouvais seulement lâcher prise, tout se passerait pour le mieux. Tout se passerait pour le mieux. Vous croyez que balancer le programme par la fenêtre, ça fait partie du programme? Je crois qu'on le saura jamais. Et si on peut même pas survivre à un week-end ensemble? Bah alors, je suis complètement paumée. Ensuite, tu pourras descendre. C'est elle qui l'a dit. Ces femmes-là, je les connais depuis plus de 20 ans. Et oui, parfois, j'aimerais envoyer celle-ci se faire foutre. Tu veux que j'aille me faire foutre? C'est le genre de réaction que l'intimité peut engendrer. Celui-ci est bon, ça s'appelle comment? Du vin blanc. Oh, je suis super fan.